placé en garde à vue le mercredi 15 février, 5 jours après le terrible accident de la route qu'il a provoqué sous l'emprise de la drogue vendredi dernier en Seine-et-Marne, Pierre Palmade est entendu à l'hôpital de Melun. Une garde à vue qui est prolongée jusqu'au vendredi 17 février. Dès lors, l'avocate de Pierre Palmade travaille activement sur la défense de son client. Auteur d'une longue enquête publiée dans Paris Match, le rédacteur en chef du service culture du magazine Benjamin Locoge a dévoilé les stratégies envisagées par l'avocate du comédien lors de son passage dans l'émission C'est à vous, ce jeudi 16 février. Déjà, il y a deux possibilités, soit il va en prison, soit il sort de l'hôpital, a-t-il expliqué en préambule au chroniqueur Pierre Lescure. Avant de donner plus de détails, ils vont essayer de proposer une structure fermée pour qu'il puisse être tranquille parce que s'il sort ça va être très compliqué. Mais, c'est le plan sur lequel il travaille. Cependant, une telle décision reviendra au juge, comme l'a souligné Benjamin Locoge. Quelques minutes avant l'annonce de ce plan, le journaliste de Paris Match a assuré que Pierre Palmade se préparait au pire. En effet, l'ami proche de Muriel Robin n'aura aucun traitement de faveur. Invité au micro de Yves Calvi sur les ondes de RTL, la procureure de Paris Laure Becquiot a souligné que Pierre Palmade est un citoyen comme les autres. Bien sûr qu'il sera jugé comme n'importe quel Français, a-t-elle assuré. Et de poursuivre, il n'y a absolument aucun traitement de faveur au regard du produit utilisé ou de la personnalité qui pourrait être concernée par cet usage de produits stupéfiants. Supérieur à Pierre Palmade, qui sont les femmes de sa vie ? Pierre Palmade, ses premiers mots lors de sa garde à vue depuis son lit d'hôpital, Pierre Palmade a commencé à parler aux enquêteurs. L'humoriste, qui a pris conscience de ses actes, s'est d'abord excusé d'avoir détruit des vies, comme l'ont rapporté nos confrères de TF1 Info. Au cours de cette audition, l'ex-mari de Véronique Sanson s'est dit ravagé et a exprimé ses remords. Au cours de cet échange, Pierre Palmade il aurait déclaré ne plus avoir aucun souvenir des minutes précédant l'accident, se souvenant uniquement d'avoir fermé la grille de sa propriété de ses lits en bière. La suite s'apparente à un trou noir. Pour autant, il a expliqué être sorti de chez lui pour faire des courses dans un supermarché. En se basant sur des sources policières, nos confrères de BFM TV ont rapporté que Pierre Palmade a reconnu avoir pris de la drogue. L'ami de Michel Larocque a également évoqué la présence d'autres passagers avec lui. Le premier, Mossine, a 33 ans et est d'origine marocaine et le second Sam Bouger. 34 ans est un Français déjà connu des services de police pour des faits liés aux stupéfiants, a indiqué TF1 Info. Placé également en garde à vue, l'un d'entre eux a, lui aussi, expliqué n'avoir aucun souvenir des faits en affirmant qu'il dormait au moment de l'impact. Les prochaines déclarations de Pierre Palmade seront certainement déterminantes pour déterminer les circonstances exactes de ce drame qui a fait 3 blessés graves. Crédit photo, capture d'écran C'est à vous, France 5.